Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons regarder vos énergies pour le mois de mars 2021. Donc j'ai un petit peu de retard, en fait les énergies sont assez mouvementées, hein. Il y a des hauts, des bas. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais on tient le coup et j'espère que vous aussi vous tenez le coup. Du positif, du négatif, du positif, du négatif. Déblocage, délibération, voilà, c'est ce que nous présentent les énergies actuelles. C'est de toute façon quand même positif, hein. On sait que dans le négatif, eh bien, il y a du positif, hein. Tout comme dans le positif, on retrouve toujours du négatif, le yin, le yang. Donc ça fait partie de la vie, et eh bien il faut jongler avec tout ça. Voilà. Alors pour les poissons, donc on va regarder vos énergies pour le mois de mars. Donc on voit que il y a une conscience de prise concernant un passé proche, concernant certaines addictions, certains fonctionnements en fait qui ne vous correspondent plus. On vous dit que c'est en train de disparaître, hein. Vous êtes en train de lâcher en fait des énergies qui ne voilà des énergies, des sentiments qui ne vous conviennent plus. Voilà pour vous, mes chers poissons. D'accord. Hein? Parce qu'on se retrouve dans une situation quand même encore malade. D'accord. On vous dit aussi, si vous vous sentez concerné, que tout ce qui concerne donc certaines addictions, ça peut être des addictions financières, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être des addictions aux femmes, aux hommes, à la sexualité, etc. On vous dit que ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas, d'accord? Qui vous mettent dans une certaine perte. Hein? C'est-à-dire quelque chose qui empêche l'abondance pour vous. À vous en rendre malade, hein, parfois. À vous en rendre malade. Alors, on vous dit qu'effectivement, de laisser partir ces situations-là qui ne vous correspondent plus, c'est un cadeau pour vous, hein. Là, c'est vous faire un cadeau de la vie. Alors, pour les poissons, donc, on a une réorganisation. Au niveau du foyer, au niveau de la maison, d'accord, il y a des accords qui vont être pris, comment dirais-je, des compromis, hein, qui vont être faits concernant une habitation, un logement. On voit qu'il se peut aussi que vous quittiez ce logement, mais en fait, ce logement va être, voilà, vous allez pouvoir, comment dirais-je, faire un bon compromis, hein. Les choses vont bien se passer pour vous, voilà. Si vous étiez effectivement en habitation avec une personne, hein, en colocation ou tout simplement en couple avec une personne, et que vous avez décidé de couper parce que eh bien, ça ne résonne plus en vous, on vous dit que il va y avoir un compromis, les choses vont bien se passer, hein. On voit de toute façon du changement pour vous, sans problème, hein. Voilà, c'est une chance, une chance. Une chance pour une femme, hein, bien sûr, là c'est une guidance générale, donc effectivement, ça peut, voilà, ça peut aussi bien parler à un homme qu'à une femme, hein, de masculin, de féminin. En tout cas, quoi que vous ayez pris comme décision concernant de quitter ce lieu, en fait, on voit que c'est positif pour vous, c'est une chance pour un renouveau, hein, pour un nouveau départ. Ouais. On a deux fois cette possibilité. Donc, on vous dit aussi que si c'est certains projets que vous avez pu avoir, eh bien, c'est positif. Vous vous dirigez en fait vers. Alors, pour d'autres personnes, donc, il se peut aussi que vous quittiez voilà, une situation qui ne vous correspond plus parce que vous allez vous diriger vers une relation stable et loyale. Vous voulez aller aussi vers l'équilibre, vers la paix concernant vos relations affectives, vos relations amoureuses. Alors, les poissons, voilà, on voit que c'est une bénédiction, hein.
Il y a beaucoup de transformations pour vous au printemps, hein? D'accord? Beaucoup de transformations pour vous au printemps. Donc c'est très positif, vous avez le soleil là-dessus. Hein? Vous allez sortir d'une forme d'enfermement, en fait vous avez été guidé. Hein? Vous avez la protection là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Bien déjà c'est le premier message que j'ai pour vous mes chers poissons. Voilà, on voit encore une fois le compromis, le couple. D'accord, donc il y a des compromis effectivement que vous allez réaliser, donc soit en couple hein, pour quitter une situation. On peut voir aussi une indépendance au niveau de l'habitation. D'accord, mais ça se passe dans une bonne entente. Ouais, il y a l'élévation pour vous, vous écoutez votre cœur en fait, hein, vous écoutez ce dont vous avez complètement besoin, hein, donc c'est très bien. On vous dit de ne pas culpabiliser, il n'y a pas de problème. Encore une fois, le cadeau, hein, le cadeau sur les pertes en fait, effectivement. Alors je vais vous montrer quand même parce que ça ressort. Donc au début du tirage, j'avais la perte et là ici, on a encore une fois la perte. Donc vous sortez des pertes. Donc ça peut être aussi des pertes financières. Hein. Vous avez le, oui, il y a le soleil là derrière, hein. Je ne vais pas vous montrer trop, j'ai trop de lumière. Donc, on voit que c'est un cadeau pour vous. Hein. Donc, si pour les poissons, vous avez le sentiment, la sensation que vous avez besoin d'un nouveau départ, que ce soit d'une nouvelle habitation, de nouvelles fréquentations, etc., on vous dit que c'est positif pour vous. En fait, vous vous faites complètement un cadeau. D'accord ? Voilà, hein, puisque en fait, avec la carte des valeurs, et ben vous vous apercevez tout simplement qu'actuellement, vous êtes dans une forme de perte. D'accord? Donc là, vous essayez de changer tout simplement, de vous y penser, hein, vous y pensez à modifier cela, hein, pour retrouver en fait une nouvelle jeunesse, un nouvel... de nouveaux espoirs, hein, voilà, complètement, hein, une nouvelle réussite financière, voilà, vous avez envie tout simplement de repartir sur des bases nouvelles pour vous, le fait de quitter une situation qui ne vous correspond plus va vraiment vous amener de l'abondance dans tous les domaines, que ce soit financier et en amour, hein, sachez-le, vous quittez effectivement des situations compliquées, hein, voilà, des situations qui ne vous correspondent plus, d'accord. Donc là, vous quittez ça et on vous encourage à le faire. Hein, vraiment. On vous encourage à le faire, mes petits poissons. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. D'accord ? Comme ça, ben, vous pourrez recevoir les nouvelles vidéos pour vous donner des informations. Oui, effectivement. Hein, moi, j'ai vraiment le sentiment là qu'on coupe. Alors, il se peut aussi vraiment que vous coupiez une relation pour partir sur de nouvelles bases. Donc, le tirage va tourner autour de ça. Donc, si vous êtes encore dans le questionnement, hein, de vous questionner sur le fait de modifier votre fonctionnement, de changer d'appartement, de changer de vie, on vous encourage à le faire. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein, s'il y a d'autres possibles, s'il y a d'autres... propositions qui s'offrent à vous, même au niveau professionnel, on vous dit d'y aller, c'est ouvert pour vous, hein, ce mois de mars est ouvert pour vous, mes chers poissons, donc tout est possible et tout est réalisable pour vous, juste sortir de cette forme d'addiction, de cette forme de situation de perte, hein. Donc... voilà, on vous dit que c'est un cadeau, on vous dit de sortir de ça. C'est le bon moment, mes chers poissons. Tout est possible pour vous ce mois de mars. Allez, porte de l'intuition. Oui, tout à fait. Hein. Donc, on vous dit, avec la longue vue, hein, on vous dit, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Hein. Donc, pour une nouvelle vision, là, on est vraiment sur un nouveau chemin pour vous, mes chers poissons. Donc, encore une fois, tout est possible. Voyez beau, voyez loin. Et, comment dirais-je, vous allez arriver à un objectif positif pour vous, pour vous permettre de vous reconstruire et d'aller vers votre épanouissement personnel, déjà, qui est très important, afin de retrouver joie et équilibre. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, vous dis à bientôt. Excusez-moi pour le retard, mais voilà, c'est fait. Belle journée à vous et à bientôt, merci beaucoup.